monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le lundi 30 ou 31 juillet, je pense. Je ne suis même pas certaine. Désolée, je ne sais plus, on est combien en fait. Je vous retrouve, je suis dans la chambre de Mila. Mila, elle est là-bas en train de jouer dans tout le bazar. Parce qu'hier, on a fait quelques petites modifications là-bas. J'ai pas eu le temps de ranger. Je vais lui choisir ses fringues pour la journée. Et aujourd'hui, en fait, on fait rien de très spécial. Mais on va faire les courses en fait, tout simplement. Et vous aviez été assez nombreuses à me demander de faire un vlog où on voit un peu ce que j'achète en course. Donc je ne sais pas qui klaxonne, c'est mon voisin, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous prendre avec moi aujourd'hui. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je ramène de mes courses, tout simplement. Parce que ça avait l'air de vous intéresser. Sans avoir proposé, vous me l'avez demandé plusieurs fois. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Quoi d'autre? Ben là, je cherche désespérément des fringues pour Mila. Alors, elle va mettre une petite robe de chez Primark que j'adore, avec les petites chaussettes qui sont ici, qui viennent de chez Banggood. Le pied à l'étrier. Ça commence à suffire maintenant les bêtises. Donc voilà, papa va tenir Mila pendant que je me maquille rapidement. Hein. Il vaut mieux. Donc aujourd'hui, je vais faire des courses et en France et en Belgique. Parce qu'en fait, moi, je suis pas loin de la frontière, donc j'ai de la chance. Je peux aller faire mes courses dans les deux pays. Et ça m'arrange plutôt bien, parce qu'il y a pas mal de choses que j'aime bien en Belgique. Et il y a pas mal de choses qui sont vachement plus intéressantes en France. Donc voilà. Si j'ai le temps, je vais aussi passer à Ikea, parce que ça fait un moment que je dois y aller. Et ça fait un moment que je dis que je vais y aller et que j'ai pas eu le temps d'y aller du tout. Ça va quand même un petit peu mieux. Du coup, ma tenue, je voulais vous la montrer rapidement. J'adore mon t-shirt. Bon, ça fait un petit peu je me la pète. Hein. Je me prends pour une princesse. Mais je l'aime bien parce qu'en fait, c'est l'écriture de Disney. Ça me fait penser à Disney, c'est pour ça que je l'adore. Et ça vient du site romui.com, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous connaissez. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer. J'ai aussi pris ce jean sur le site de Romy, je le trouve trop joli, trop beau. Donc voilà, si ça vous intéresse, cette tenue, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. C'est un site qui est pas très cher, sur lequel on trouve pas mal de fringues super jolies. Donc voilà. Du coup, on va aller voir si papa s'en sort avec Mila en bas. C'est pas certain. Mila est très en forme aujourd'hui. Ah, on a fait quelque chose qu'on veut vous montrer ici. Je vous montre. Ha ha! C'est vos lettres en fait. C'est les lettres que vous m'envoyez, les cartes et compagnie. Et j'ai décidé de le faire sur tout ce mur-là. Donc pour le moment, j'ai pas tout attaché. Je vais bien sûr attacher les autres également. Et à mon avis, ça va prendre pratiquement tout le mur avec toutes les lettres parce qu'il m'en reste les trois quarts à accrocher. Nous y voici, nous y voilà. On attend juste papa qui traîne, comme d'habitude. Ça, c'est mes nouvelles lunettes. Je sais pas si vous les voyez bien, là. Voilà. Mes nouvelles lunettes que j'ai reçues de chez Ney. Jolie. Je les trouve trop jolies. Je sais pas si vous allez les aimer. Vous aviez bien aimé celles de chez... Je sais plus si
que j'avais commandé sur Dressing ou je sais plus où. Et voilà, j'ai reçu celles-ci qui sont un peu dans le même délire, mais un petit peu plus grosses. Moi, je les aime bien, je les trouve vachement jolies. Chaque fois que vous me demandez d'où ça vient, du coup, maintenant, je vous dis d'où viennent ce que je porte pendant mes vlogs. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Et voilà, papa! Du coup, là, on va faire quelques courses dans des magasins en Belgique. Et après, on ira faire le reste de nos courses en France. La plupart de nos courses en France, d'ailleurs. Donc, concrètement, là, on va chez Action. Ensuite, on va au Carrefour. Ensuite, on va au Ikea. Et pour terminer, on ira à Auchan. Voilà. Oui, j'ai besoin d'aller dans tous ces magasins pour faire mes courses. C'est comme ça. N'hésitez pas à partager avec le hashtag lunettes ridicules. Du coup, on vient de sortir de chez Action et là, on arrive... Action. Tu dis pas Action. On arrive chez Ikea. J'ai juste deux trucs à prendre chez Ikea. Je veux prendre la petite table rose en plastique pour Mila qui va avec la chaise que j'ai déjà à la maison, qu'on avait acheté d'ailleurs dans le coin des bonnes affaires. Et deux petits pots que je dois racheter pour ma coiffeuse, deux petits pots pour ranger mon make-up, enfin mes pinceaux. Des petits pots pour bébé. Et avant ça, on va aller manger parce que Mila, elle doit manger les midis. Et puis nous, on va manger, on va en profiter qu'on est chez Ikea pour manger. Il y a Mila qui fait déjà un petit dodo. Franchement, sur un quart d'heure de route, elle s'est endormie. Donc voilà. Ouais, on l'a remis au chocolat. Hein. Alex a absolument voulu acheter des planches chez Ikea. Bah oui, parce que je devais les acheter chez le Roi Merlin, mais chez Ikea c'était beaucoup moins cher de toute façon pour faire des. Et du coup, regardez la place. La place qu'il a. Sécurité d'abord. Voilà, là on vient d'arriver dans un magasin où on n'est jamais allé, ça s'appelle Otera. On est à Aulnoy. Enfin, non, c'est pas Aulnoy. Donc ça s'appelle Otera. Et c'est à Valenciennes. Je vous montre. Rôle-moi les Valenciennes. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, ça a l'air d'être un magasin où il y a peut-être du bio et puis. Du circuit court. Du circuit court, ouais. Ça va, mon amour ? C'est absolument pas du bio, c'est bien dommage parce que moi mes légumes et mes fruits généralement je prends du bio. Ouais, donc en fait ouais c'est pas que ça vient d'à côté, en fait c'est que c'est directement du producteur au magasin, il n'y a pas plein d'intermédiaires. Donc en toute logique c'est les prix qui doivent être moins chers. Bon, nous on n'y a pas été spécialement pour ça à la base parce que vraiment je pensais qu'il y avait du bio mais pas du tout. Mais du coup on a pris pas mal de viande et tout ça, ça a l'air vachement bon, la viande est super belle parce que j'ai de plus en plus de mal de manger de la viande, moi, avec tout ce qu'on entend et tout ça. Et donc ce soir ça va être souris d'agneau au miel et au thym. Et oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il y a ma belle maman qui arrive ce soir pour une semaine. Enfin belle, elle a pris un coup de vieux quand même, elle est plus si belle. Hein. Ouais, donc voilà, il y a la maman d'Alex qui vient ce soir pour quelques jours. Je sais pas si elle va rester une semaine complète, mais elle va rester quelques jours à la maison. On va la mettre sur internet en tout cas. Donc voilà. On va vous la présenter. Et là. C'est quoi ce moustique tout jaune là? Oh, c'est quoi ce truc? Je crois qu'il me faire piquer. C'est bon, j'ai donné les piqûres. C'est bon. Du coup là, on va faire nos plus grosses courses à Auchan. Donc ce n'est pas terminé, non. Ce qui est bien dans ce magasin, c'est qu'ils vous filent les viandes, c'est pas tout le temps les mêmes, chaque semaine apparemment. Et en même temps qu'ils vous filent la viande... Ils donnent des recettes. Il y a des recettes. Ils vous vendent la viande, mais vous pouvez prendre la recette dans le magasin.
On a des petits papiers avec la recette pour faire, enfin avec une recette. Par exemple, on a pris les souris d'agneau, il y a la recette pour faire les souris d'agneau au miel ou je sais pas trop quoi. Donc c'est plutôt cool. Tu montres à maman ? C'est quoi que tu manges ? Donc ça, c'est une goutte goût fraise banane. On a enfin fini de faire vos courses. À papa? Il y en a là-bas, tu veux pas donner à papa? Radine, partage ça. Oh, regarde qu'elle est gentille ta fille, c'est bien mon cœur. Coucou! Voilà, on vient de rentrer. On va vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui dans nos courses. Ça, c'est pour papa, parce que papa il adore les cannelés. Ça, c'est à Mila. C'est la marque Hype. Ou Hip, je sais jamais, c'est Hype. Hein. Moi je dis Hype. C'est des galettes de riz à la framboise. Alors, ça c'est à maman. C'est des espèces de petits chips. Faut que je range en même temps, mais en fait, je préfère que tu ranges pendant que moi je viens. Ouais, allez, c'est bon. Et des petits pois et des carottes. Alors, j'ai pris des espèces de petits choux qu'Alex m'a déjà tout écrasé et que je suis en train de filmer. Non, c'est pas moi, c'est Mila. Alors, j'ai pris aussi ça, et normalement c'est pour Mila, ça s'appelle un fraisier, je pense. Non, c'est pas un fraisier. Petit gâteau, je sais plus comment ils appelaient ça. Une espèce de mousse. Tarte à la crème avec de la mousse. Alors, Alex a pris de la pâte à pizza parce qu'il a envie d'essayer de faire des pizzas lui-même. Ça, c'est de la tagliatelle fraîche. Tout ça, ça vient de... Non, ça vient du magasin... Terra. Ouais, du magasin Terra. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Terra, ouais, je pense que c'est Terra. Ouais. Toute la viande, pratiquement, ça on a acheté ça aussi là-bas. C'est du cochon. Ouais. Souris d'agneau, donc ça c'est ce que Alex va faire aujourd'hui. C'est la meilleure partie de l'agneau en fait. Elle va faire ça à manger. Elle a manger, donc on va aller faire des souris. Toujours dans mes magasins, Alex il a pris du comté. Et moi j'ai pris de la tapenade. J'adore la tapenade, c'est trop bon. Rien à voir, je me suis repris de la laque, j'en avais besoin. Du curry madras. Des piments. Des poivrons. Faire avec... Le kit faritas, des tomates, du poulet pour le kit faritas toujours. Ensuite, ça c'est papa qui a acheté, c'est des morceaux d'agneau. C'est ouais, du gigot d'agneau. Ma mayonnaise favorite, c'est celle qu'on trouve au rayon frais. Elle est trop bonne celle-là. Ensuite, on prend du jus toujours frais, c'est dans le rayon frais. Celui-ci c'est Réveil des Tropiques. Je vais en prendre tout de suite. Hop, les produits frais d'abord. Ensuite, du jus de raisin. Moi, j'adore ça, le jus de raisin. Alex, il achète à chaque fois des trucs énormes d'îles flottantes et on se galère à les manger parce qu'il y en a 8. Ça part aussi tôt. Un peu... Elle fait genre, je suis pas gourmand, je mange pas d'îles flottantes. Ben non. Alors, ça, c'est l'eau pour Mila. C'est la Mongoku qu'on utilise depuis sa naissance. Ensuite, je vais vous ramener avec moi parce que là, j'ai fait une partie... de ce qu'il y avait ici. Pour Mila, ça j'ai pris, je pense, au Carrefour en Belgique, si je me rappelle bien. Je lui ai pris pomme, fraise, myrtille, c'est toujours hype biologique. Je lui ai pris ça. C'est la marque Baby Hero en fait. Et ça, je trouve qu'en Belgique, et c'est des mini galettes de riz. Celle-ci, c'est à la pomme. Ça, c'est toujours en Belgique. Donc, ça, c'est ma boisson préférée de chez préférée. J'adore ça. C'est du spa lemon cactus, j'ai toujours adoré ça, donc c'est du spa pétillant. Et ça ne se trouve pas en France malheureusement. Alors pour Mila toujours, j'ai pris ça, donc j'en ai pris plusieurs. Et j'ai pris celui-ci pour goûter de la marque Hype, que j'avais jamais testé avant. Donc ça je vous ai déjà montré, c'est des espèces de pâtes de fruits que Mila elle adore. Et c'est spécial pour les bébés à partir de 12 mois. Ça c'est l'eau pétillante qu'Alex boit. Alex a oublié de me reprendre du coca, donc j'ai pas de coca, c'est pas grave. Et ça te fera pas de mal. C'est pas terminé, hein. Non, c'est pas terminé. Ah, je vous ai dit que je vous montrais mes courses, je vous montre mes courses, hein. Je suis pas sympa. Alors, j'aime bien ça de temps en temps. Pomme noisette,
surgelée. Et mes glaces favorites, Häagen-Dazs. Bah, je vous montre à l'envers, ça va pas aller. Celle-ci, c'est 4 sortes de vanille différentes et c'est des petits pots. Donc, je trouve ça bien. Alors, ça, c'est des espèces de céréales, mais au cacao, pour mettre dans le biberon du soir. Toujours pour Mila, ça, c'est des petits goûters pour 16h. Donc, j'ai pris plusieurs goûts différents. Alors, de la crème fraîche. Des petits carrés frais, ça c'est ce que je mets dans la soupe de Mila, parce que Mila elle boit de la soupe à 18h, enfin vers 18h30. Elle boit de la soupe et je lui mets un carré frais dans sa soupe. Ça c'est mes espèces de sandwich préférés, c'est quand j'ai pas le temps de manger à midi, je mange ça et je sais que demain j'aurai pas le temps, donc je vais manger ça. Ça c'est toujours pour Mila. Ça c'est nos pastilles pour le lave-vaisselle, franchement elles vont trop bien, c'est les seules qui fonctionnent bien je trouve, celles qu'on a testées. Et ça c'est ma colo. Mais on en reparle très bientôt parce que je vais faire une vidéo spéciale routine capillaire. Pourquoi t'es pas une vraie blonde au moins? Ça c'est tous les légumes. Un melon, tout ça vient du magasin Terra ou je sais comment ça s'appelle, là qu'on vous a montré tout à l'heure. Patates douces. Des prunes, j'adore ça les prunes. Des champignons. Ah, il y a encore quelque chose dans le fond du sac. Des avocats. Mon papa il adore les avocats. Ça c'est tout ce que j'ai acheté. Au final, à Ikea, il n'y avait plus la table rose pour Mila, elle n'y était plus en rose en fait, donc on y retournera bientôt. Mais j'ai pris mes petits pots que j'avais besoin pour ma coiffeuse. Et chez Action, on a pris des Pampers parce que c'est ceux que j'aime bien mettre à Mila et ils sont vachement moins chers. J'ai pris des cadres chez Action, j'en ai pris deux comme ça pour mettre les fameux dessins que j'avais eus par un des dessinateurs qui dessine des choses Disney. Je vous avais montré ça dans un autre vlog. Je me suis pris un petit... comment ça s'appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Un tampon. Un tampon. Et il y a plein de mots super cool derrière. Donc c'est bien pour les lettres, etc. J'ai repris des enveloppes. Parce que comment vous dire, j'en ai fortement besoin. Pour vous répondre. J'ai pris un espèce de petit agenda planeur, je ne sais pas trop, il est refermé, je ne l'ai pas ouvert, mais je le trouvais trop joli, toujours chez Action. La meuf, elle me dit, mais comment tu fais pour avoir un cul comme ça? Et je lui ai répondu, mais c'est naturel chez moi, cocotte. C'est naturel chez moi, tu vois. Allez, hey, toi entreprends dans 2 heures. Allez, hop. Tu vois, quand elle me casse les pieds, on la met dans le frigo, on ouvre la petite trappe et on lui fait coucou Mila. Du coup, je suis contente maintenant quand je passe ici. Il y a vos lettres derrière. C'est trop drôle, j'adore. Quoi faire pour la putain, elle sait plus quoi faire pour la mini pognon. Elle chante, elle danse avec les stars, elle fait des photos pour Action. Alors, voyons voir, souris d'agneau. Au miel et au thym.